si vous voyez que je ne m'arrange pas, il va dire que mon vais son grand frère. Ah, il y a des atouts. Il y a une manière là. Il va accepter. Il va accepter. Ah, ok. Bon, je vais causer avec ma meilleure amie. Peu à peu, dire à ma meilleure amie que je suis fond de son grand frère. Ça m'a déjà arrivé même. Venez, oh, venez. J'ai pas dit à mon frère sans qu'il fasse fini. Ça fait du seul. Ah bon? Il y a quoi, ça fait du seul. Quelle accepte, il boit son grand frère. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ah ok. Ce soir j'ai une question que j'aimerais savoir. Comment avouer voilà, au frère de sa CP que tu es fond de lui? Bon, tu sais, c'est comme RDA de base, c'est ma CP. Tu vois, non? On se dit tout et c'est tout. Mais il lui dit, en fonction de sa réaction maintenant, si il voit que ça, si il voit que ça ne m'arrange pas, il va dire que mon vers son grand frère. Elle a les atouts. En tout cas, tu as les atouts vraiment. Même si elle dit elle veut pas, tu vas. Oui, c'est bon, ce sera. Moi, déjà, mes CP sont des gens qui me connaissent de base, tu vois, non? Donc, si elle me trouve pas bien pour son grand frère, et puis si je veux vraiment, il n'y a pas à abandonner de. Je me bats pour ma chose. Ah, te bats. Oui. Une manière de faire. Une manière là. Il va accepter. Il va accepter. Ah, ok. Ok, bon. Imagine qu'il accepte. Ouais. Tu es sûr que s'il accepte, tu es sûr que toi et puis ta CP, vous allez vous entendre à la longue. Bon, un certain moment, on a dit bizarre que nous. Mais c'est comme elle, on a vécu des choses plus graves que ça. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Donc, hein, ça peut aller. Ça peut aller. Mmh. Ok, merci beaucoup pour ton avis. Ça s'est dit au revoir. À bientôt. À bientôt. Bonsoir, H. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ok, ce soir, j'ai une question. Tu aimerais savoir comment avouer au frère de sa meilleure amie que tu es fond de lui? Au frère de ma meilleure amie que je suis fond de lui. Bon, je vais causer avec ma meilleure amie. Peu à peu, dire à ma meilleure amie que je suis fond de son grand frère. Bon, comme c'est entre copines, ça va passer vite. Oui, ça peut passer vite. C'est entre camarades. Tu devais dire que ça va passer vite. Bon, d'abord, même ma camarade, c'est. Bon, est-ce que bon, j'ai fait une bonne relation? D'abord, donc elle me dit, peut-être qu'elle me dit, ah bon, mon grand frère n'est pas bon pour me dire, bon, il me dit, faut me laisser partir vers lui. On va voir ce que ça peut donner. Ah, solette quasiment. Comme ça. Maintenant, tu vas vers lui maintenant. Oui, oui. Tu lui dis. Et puis, il accepte. Oui, si il accepte, on va faire une bonne relation, mais s'il dit non, la vie continue. Il dit non, ça va te faire mal. Non. Ah, ah. Continue, mais si il dit oui, ça va pas gâter entre toi et puis ta meilleure amie. Non, ça va pas gâter moi et ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie, en même temps, ta belle soeur. Voilà, c'est comme ça. Ok, chérie Gogo, merci pour ton avis. On se dit au revoir, à bientôt. Ok, à bientôt. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, ce soir, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir comment avouer à la soeur de son meilleur ami que tu es fond d'elle. Que tu es fond d'elle. Bon, il va vers elle. Puisque déjà, je suis le meilleur ami de sa soeur. Donc, je vais vers elle. Et puis, bon, pour le commencement, je l'invite d'abord. Comment ça? Je l'invite, et puis, bon, ça s'assoit quelque part, puis on en parle. Et c'est dans ça que je peux lui dire tout. Donc, c'est-à-dire, si tu es fond d'elle, là, tu ne vas pas partir directement dire à son ami, à son frère, à ton ami que tu es fond de sa petite soeur. Tu vas vers la fille. Oui, oui. Tu lui dis que tu es fond d'elle. Oui, je lui dis que je suis fond d'elle, qu'elle me plaît. Voilà. Maintenant, pour voir aussi ce qu'elle va me dire aussi. Maintenant, ça là, tu vois pas que si elle accepte, ça va gâter entre toi et puis ton meilleur ami. Moi, ça peut pas gâter entre moi et mon meilleur ami. Ça peut pas gâter votre ami. Ça peut pas gâter, puisque c'est un ami. C'est pas un frère. C'est un ami à moi. Voilà. Donc, si elle prie sa soeur, ça m'a déjà arrivé même. Venez, oh, venez. Ah bon? Oui. Ça m'a déjà arrivé parce que j'étais avec un ami qui partait à l'école. Voilà, il partait à l'école et puis effectivement, il venait prendre de l'argent chez moi pour payer sa carte de bus. Et tout d'un coup, un jour, il a vu sa soeur et puis bon, allons aller. Ah, bâtard! C'est parti comme ça, oui. Ok, merci pour votre avis et votre témoignage. Okay. On se dit au revoir, à bientôt. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup à vous parler. Merci. Okay. Bonsoir, fille. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Très bien. Ok, ce soir, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir comment avouer à la petite soeur de ton meilleur ami que tu es fond d'elle. Alors, elle sera en cause quoi. Ben, moi, je vais pas dire ça à mon frère aussi, qu'il a moi, fait la personne aussi. Mais je vais pas dire à mon frère qu'il est fini. Ça fait du seul. Ah bon? Voilà, maintenant, elle a besoin aussi, puis poser elle en esprit. Voilà, en centre de son frère quoi. Pourquoi tu ne vas pas lui dire directement? Non, je ne vais pas lui dire, c'est un peu bizarre quoi. En fait, bon, c'est un truc, maman, tu ne peux pas faire ça non.
Et la piste de ton ami, elle est comme ta piste, en fait. Donc, on n'est pas tout gâté en tête. Maintenant, toi, tu ne sais pas que si elle apprend, si elle apprend, si elle apprend que tu sois avec sa petite, la maintenant que tu es parti derrière lui, là, ça va créer quelque chose. Il faut forcer à tous les coups, ça va créer un dégât. Laura, tu es souvent en train de forcer à tous les coups. Ok, je te remercie pour ton avis. On se dit au revoir bientôt. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Ah, ok. Ce soir, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir comment avouer. À la soeur de son meilleur ami que tu connais. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai qu'à causer avec d'abord sa soeur. Si elle est pour, j'ai dit à son grand frère, ou c'est son petit frère, ce que je lui dis. Mais c'est mon meilleur ami, moi, ça ne change rien. C'est ma balle en cul. Parce que l'amour n'a pas de. Ça n'a pas d'amitié, en fait. Hein? C'est pas parce que je suis fan de sa petite soeur que c'est mon meilleur ami, je vais essayer de faire des cacheteries. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc je lui dis, sans problème. Ça ne va pas gâter entre toi et ton meilleur ami. Si il est vraiment mon meilleur ami, je pense que ça ne va pas gâter parce que ça va encore plus renforcer en connaître l'amitié. Ah bon, tu trouves, hein? Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais si c'est ton meilleur ami, sa petite soeur est comme ta soeur. Tu as dit mon meilleur ami, tu n'as pas dit que mon meilleur frère ou bien mon cousin. C'est mon ami. On n'est pas lié par le sang, on est lié de l'amitié. Donc c'est l'amitié qui nous lie. Donc si je suis fan de sa soeur, je pense que même ça va donner la famille, ça va en tout cas nous rapprocher de plus. D'accord. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Ah, ok. Puisque tu vas vers la fille, tu lui dis elle accepte. Et tu vas vers le frère, tu lui dis n'accepte pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là maintenant ça devient un problème. Si sa soeur est d'accord, moi je n'ai pas de souci. Ce que je suis, c'est comme quelqu'un qui est blessé. Donc du coup, avec le temps, je pense que ça va aller. Ok, merci monsieur pour votre avis. On se dit au revoir bientôt. Merci, à vous pareil. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va, je suis bon. Ok, ce soir, il y a une question que j'aimerais savoir. Comment avouer à la petite soeur de ton frère sans que tu es fondé? Il y a déjà son grand frère qui est souvent sa petite soeur. Tu vas dire directement à son corps? Oui, il y a déjà son grand frère. Dès qu'il ne dit pas, il va prendre mal tout le monde. Il ne dit pas derrière lui. Il va dire à ça. Il se fait sa petite soeur. Tu vois, là, vraiment un discours. Ah, maintenant, si tu vas lui dire directement qu'il dit lui, il ne veut pas parce que. Sa petite soeur, c'est comme ta petite soeur aussi. Comment tu as te senti? C'est sa petite soeur, elle est laissée, mais elle connaît sa petite soeur, qu'elle a accepté, elle pourrait son grand frère. Tu l'as accepté? Ouais, qu'elle a accepté, elle boit son grand frère. Tu l'as accepté, tu bois son grand frère? Ouais. Ah, son grand frère, ton frère, sans même toi, ton beau frère, là, tu as le bois. Il y a le bois, tu vois, il n'aime pas mon bien, tu vois, non? Il n'aime pas ton bien. Ouais, qu'il est bien, sa petite soeur. Mais c'est grâce à toi, c'est grâce à lui que tu as connu sa petite soeur. Ouais, je sais, grâce à lui, mais je suis pas sa petite soeur. Il lui a dit, tu vois, il n'a pas accédé. Il va dire sa petite soeur qu'il a accédé. Il boit son grand frère. Il boit son grand frère. Ouais. Ok, merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, vous. Ça va bien, merci. J'ai une question à te poser. J'aimerais savoir si tu es fond de la petite soeur de ton meilleur ami. Comment tu fais pour lui dire? Tu vas directement dire à ton meilleur ami ou bien tu dis directement à sa soeur? Ah là, c'est un peu compliqué. Hein? Hein? Bon, au début, je vais essayer de lui cacher, mais forcément, tu sais, avec le temps, forcément, il va savoir. Donc, c'est mieux, je lui dis directement. Ça, c'est clair. C'est mieux, tu dis directement à qui? À mon ami. Je sais qu'il va mal prendre. Peut-être qu'il va dire, je suis son pote, et puis je vais être avec sa petite soeur, c'est pas que je voulais avoir. Au début, il va bien, mais peut-être avec le temps. Ça va lui passer et puis on va jouer ça. Ok, et si tu lui dis que lui il accepte, que sa soeur n'accepte pas, comment est-ce que tu vas te sentir? Tu veux insister ou bien tu vas arrêter? Je veux insister. Moi, si moi je veux sa petite soeur, l'ami, genre mon ami, sa petite soeur, ou bien sa petite soeur, sa grande soeur, une autre grande soeur. Sa petite soeur, ton ami, sa petite soeur? C'est que moi je veux. Je veux son ami, mon ami lui est d'accord, il est d'accord. Veut la petite, mais elle veut pas. Il n'insiste pas. Ça dépend d'elle. Si elle me repousse, donc je suis obligé de lui forcer. Si elle te repousse, n'est pas obligé de forcer. Si c'est me repousse, si j'ai tenté 2 à 3 fois, si c'est le même, donc je laisse comme ok, merci beaucoup pour ton avis. Si ça se dit au revoir, à bientôt. Merci, pareil à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien chez moi, chez vous. Ça va bien. Merci. Ce soir, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir comment avouer à la soeur de ton meilleur ami que tu es fondée.
Ça là, moi, c'est pas comme elle fait à la soeur de mon meilleur ami qui s'y fond d'elle. Il est passé par mon meilleur ami pour lui dire ça. Ah, frère, ouais, ça, ta soeur me fatigue beaucoup. Hein. Si tu peux coordonner, c'est bien fait. C'est une science qu'on. C'est comme ça que tu vas faire. Tu vas pas ouais. Directement dire à la fille. Non, elle aussi, elle va trouver ça un peu gênant. Puis, là, je suis le frère sans de son frère. Mm-hmm. Et puis, là, elle vient la traquer. Elle va voir son plaisanterie. Expliquez-moi, je comprends pas. Je sais que si elle voit son plaisanterie, c'est-à-dire que ton comportement n'est pas votre même bon comportement. Non, il ne s'agit pas du comportement. C'est mon ami, il est toujours prudent chez lui. Sa soeur, il taquine sa soeur, on fait les trucs. Et puis un bon matin, il tombe amoureux d'elle. Elle va voir, c'est un jeu. Il dit, non, moi, tu vois ça normal. Mais non. Tu vois ça normal. Ouais, tu vois ça normal. Ça, c'est compliqué. Hein? Donc, du coup, tu ne peux pas tomber fond d'elle ou bien. Non, il ne peut pas tomber fond là. Du frère. Okay. Non, il ne peut pas même. Il ne peut pas. Pas. Non, il va tomber fondel. Elle est comme une soeur pour toi. Voilà, elle est comme une soeur pour moi. Et son frère, mais comme un frère pour moi. Donc elle va tomber fondel. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, ça, c'est impossible. Ok, chérie, beaucoup merci pour ton avis. Ça se dit au revoir bientôt. Ok, merci à vous-même. Merci. Donc.